Voilà, bon, il y a un petit peu de boue, mais ça va aller. Et on l'a trouvé. On l'a trouvé, ce cadran solaire. Vous voyez les gens, ça y est, on y est. Merci aux personnes qui regardent. Cadran, il y a un truc. C'est tellement grand. Alors, le chemin du philosophe, cadran solaire. Sur le poteau, ok. 1 heure en hiver et 2 heures en été, pas là. Est un outil pédagogique, ok. Nature et le temps. Face aux contributeurs, ok. Bon, c'est sympa. Donc, il y a même un petit banc. Bon, voilà, pas très compliqué à trouver finalement. Une fois qu'on connaît les bonnes routes, c'est facile. Ah, il y a même les chiffres. Il y a des chiffres dessus. 17, 18. Sympa. Bon. Il faut faire le retour. Parce que vu le ciel, on aura normalement, je crois, la tombée de la nuit dans 56 minutes. Donc voilà, bon bah encore une fois, ça mérite plus d'exploration. Mais on va faire avec. Hop. Donc ouais, normalement, il faudrait aller tout par là-bas pour voir. Mais on peut pas, à cause du ciel. Il y a tellement de trucs à aller visiter. C'est sympa en tout cas. On va juste aller un petit peu là tout droit, pas loin, juste pour voir. On va voir ce qu'il y a vite fait. Ah putain, encore la boue. Pas sur le côté. Il y a un petit ruisseau là qui passe. Voilà, hop, c'est passé. On monte. Là, ça monte. Et on croise même des gens quand même. Voilà. Malgré la boue. Bonjour. Donc oui, là il y a un grand arbre là-bas. Il y a un grand arbre. Mais bon, c'est un peu compliqué d'y aller. Il y a un grand arbre. On va y aller vite fait. Heureusement, le retour est assez rapide. Quand on connaît les chemins, il n'y a pas de problème. Très intéressant en tout cas. Je sais pas, on dirait qu'il y a une pierre en dessous, quelque chose comme ça. Donc on va voir un petit peu. Ouais, il y a un truc. Allez, je suis à 50 mètres. Visiblement, il faut passer par en haut. Ouais, ça y est, un grand arbre. On y arrive presque. Et voilà, ça y est. On y arrive. C'est quoi cet arbre? Il y a des trucs de philosophie. Ah si, c'est une sorte de cimetière, oui, j'avais déjà vu.